Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tenais à publier une vidéo car le lundi 7 novembre 2016, j'ai eu plusieurs problèmes avec le service Accès Plus de la gare de Nice. Donc pour ceux qui ne le savent pas, quand je souhaite prendre un train, en fait, on me demande de réserver 48 heures à l'avance une assistance avec le service Accès Plus de la SNCF. Et le jour du départ, on me demande d'être là 30 minutes avant l'heure du départ du train. Ce jour-là, je me suis présenté à 10h15, soit 40 minutes avant le départ de mon train. J'avais réservé des billets pour un TGV, le 9750, qui partait de Nice, et la direction Genève. Moi, je descendais à la gare de Lyon-Part-Dieu, puis après, je reprenais un train direction Rennes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en gare de Nice, qui est la 5e ville de France, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, je suis obligé de traverser les voies pour rejoindre le bon quai. Ce jour-là, l'agent qui est dédié à l'accompagnement des personnes en vitesse réduite est venu me rejoindre à l'accueil vers 10h40 pour m'accompagner de l'accueil jusqu'à ma place dans le train. Donc pour effectuer la traversée, il y a une procédure qui est assez stricte en fait. L'agent qui m'accompagne me demande de m'arrêter à un endroit. Après, il demande une confirmation avec une sorte de téléphone fixé sur un mur. Hein. Il demande la confirmation et puis on traverse en toute sécurité. Ce jour-là, il a eu la confirmation qu'on pouvait y aller. Du moment où j'étais en train de traverser les voies, il y a un train qui est arrivé par la droite. Et la jambe a hurlé de reculer. Et franchement, c'est pas évident. Car mes roues ont tendance à se coincer en fait au niveau des rails. Donc faire une marche arrière, c'était un peu tendu. Hein. En fait, le train qui arrivait par la droite, il allait sur une autre voie. Donc voilà. Il s'est fait peur, il m'a fait peur. Un peu pour rien. Mais bon, à qui la faute? Je ne sais pas. Donc ensuite, l'agent m'a dirigé sur un quai. Et pour voir la suite, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas à activer les sous-titres. Parce que le son était pas très bon. Donc voilà, j'ai pris du temps à taper les sous-titres. Comme ça, vous aurez vraiment ce que j'ai dit. Et ce qu'il a dit. La voiture, c'est mieux. Dernier appel pour l'embarquement à bord du TGV 9750, démarre imminent, voici. Ça a changé la voie, oui. Mais non, allez-y. Je te dis, moi. Allez-y. On vous a dit. Allez-y. Ah non, bah non. C'est pas, moi. Oui, il a changé la voie. Changer la voie, mais non. Ça doit arriver le train. Comme par hasard, je dis. C'est bizarre. À quel aéroport ce train? Mais moi, c'était bien. C'est magnifique, hein. Normal, là, le train, il est là. Ne vous inquiétez pas. On me demande d'arriver une demi-heure avant. C'était là une demi-heure avant, hein.
Ah bah, on va être en retard, je ne sais pas combien de temps. Je vous arrive un peu, je vous arrive là. Donc, un blanc. Je vais aller voir. Je vais demander à qui va le partir. Ah bah, je sais pas. Le départ de l'entreprise, nous demandons personne accompagnant les moyens de vouloir descendre avant toute la sortie de sur descente. Je traite tout à l'heure de ça parce que. 25, 26, 27. On a indiqué une mauvaise voie. On a fait traiter deux fois. Je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça. C'est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, pour être honnête avec vous, en général, cette procédure se passe relativement bien. Et ce jour-là, j'ai eu plusieurs gros dysfonctionnements. Franchement. Premièrement, pourquoi la gare a donné l'autorisation de traverser les voies alors qu'un train arrivait sur une autre voie? Deuxièmement, pourquoi l'agent n'a pas demandé une confirmation avec sa radio concernant la voie de mon train alors que j'ai demandé plusieurs fois de se renseigner? Troisièmement, pourquoi l'agent me demande d'accélérer alors que je faisais le maximum et que franchement l'erreur ne venait pas de moi? Quatrièmement, pourquoi l'agent m'a fait rentrer en marche arrière dans le train, ce qui est un peu tendu en fait? Cinquièmement, pourquoi la batterie de l'élévateur était quasiment vide quand je l'ai utilisé? Je ne sais pas si un jour j'aurai la réponse à toutes ces questions, mais en tout cas je me pose réellement la question de concernant la formation de ces agents, quoi. On verra, en tout cas je retourne à Nice prochainement et j'espère pas avoir ce genre de problème. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les messages que j'avais postés sur Facebook ce jour-là, les tweets que j'avais postés. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, puis je vous dis à plus sur YouTube, Facebook, Twitter,